Yo tout le monde, c'est Tchob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons les... Ah bah non, la Confédération d'Asiotrace. Oh, on n'est plus les Jettes, on est la Confédération d'Asiotrace. Est-ce que le fait de changer de, entre guillemets, de faction, enfin de nom de faction, est-ce que par pur hasard, je ne veux pas me donner la poisse, mais est-ce que ça ne retirerait pas justement la poisse que j'ai avec les jettes. Est-ce que peut-être alors, à partir de maintenant, tout va se passer bien parce qu'on n'est plus vraiment les jettes. Qui sait? J'aimerais bien. J'aimerais vraiment bien. Alors, oui. C'est par trois hommes de Tilis. Hein. Ok, ça veut peut-être dire que ça va chez moi, ça, non? Oula. Ah, il est malade. Pchit, pchit. Pas chez moi. Faction rencontrée. Marc comment? Je suppose qu'il doit y avoir un agent, donc, quoi. Hop, tac, tac, tac. Ok. C'est vrai que je peux recruter également champion. Voilà, je cherche. Je sais même pas si un champion, un héros, un champion. Voilà, selon le nom de la faction. Enfin, selon le type de faction. Carthage. Oh, Carthage. Oh. Hannibal serait fier de toi, mon gars. Oh là, je les ai pas vus. Je les ai pas vus arriver. Allez. Un réunion. On va piller. Et on va prendre. Ah, peut-être pas ce tour-là. Apparemment. Voilà, et le but est d'aller sur pillage. 30%. 30 plus 24%. 57. 54. Oula, pong. 30 plus 4, 7. Oui, ouais. Ok. Non, mais on va l'entraîner. Hein. Et Carthage qui vient prendre Néapolis et Rome comme ça, là. Voilà. Très bien. On verra plus tard ici. Pas donné, hein. C'est 200 la troupe, hein. C'est amélioration. Aïe aïe aïe. Et c'est qui ça d'ailleurs? Ah oui, c'est ceux que j'ai libérés en Cisalpina. Je me demandais d'où est-ce qu'ils venaient. Ah ouais, ça fait 20 tours! Oh bah mince. Trop bien. Bon, maintenant on peut repartir sur des technos un peu. Partir sur de la recherche. Est-ce que eux, ils me consomment de la nourriture? Bon, c'est pas très grave. Hop. Salut les gars. Un petit pillage, oui, c'est bien. Bien, réparez-moi dans tout ça. Pas de bonus de pillage là-dessus. C'est pas de peau.
On va raser. On va dire au revoir à la ligue étrusque que j'avais. Que j'avais libéré, mais bon, ils sont pas joué le jeu. Bon, Rome. Du coup, c'est vous qui avez refusé, hein. En toute bonne foi. Je voulais vous faire une bonne proposition, mais bon, vous n'êtes pas chaud du tout, apparemment. Massilia Ligurie. Ouais, je vais rompre, on s'en fout un peu à la Ligurie en vrai. C'était juste pour faire chier Rome, le reste. Ouais, j'en ai pas grand chose à secouer en vrai. Ah, ça met tant de temps que ça? Ok. On se bouge. Moins 23 d'ordre public. Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'il y a de la cavalerie recrutée. Ici. Ici, c'est un peu le foutoir. Oh, Syracuse est tombé. Non. Échec d'embuscade? Bah non. On va me prendre quelques esclaves, tiens. Hop. Pillage. Ouais. Hop, ordre public, ça tient d'avoir moins un tour. Ah bon? Oh, c'est bizarre ça encore, tiens. Oh, c'est pas grave. Je pensais pouvoir y arriver, mais apparemment. Waouh! Oh, c'est cher! Ah oui, je suis en ordre public. Faire ça. Plus d'imposition. Oui, si, c'est normal. Dida! Mon général, je vais attendre qu'il gagne un peu plus de niveau. Pour lui donner les améliorations voulues. Déjà? Non, c'est ce tour-là. Waouh! Ah ouais, il m'a rapporté beaucoup plus là. Bon, je pigera de toute façon. Il allait avoir une révolte. Étonnant, hein? Logement des artisans. Là, je vais attendre.
3000, c'est pas donné, hein. Bon, ça rapporte après. Ça augmente mes revenus en pourcentage sur l'agriculture, je peux pas dire non. Lui, il n'a pas encore la compétence, les compétences que je recherche. Les Suèves, on savait que ça allait venir. Les Lusitaniens? Les Lusitaniens? Tout ça pour me faire perdre un général? On va la vendre cher, notre peau. Tout ça pour me faire perdre un général. Hein. Je sais pas ce que foutent les Lusitaniens, là. Bon, bah la poisse continue, en fait. Hein. Changement de nom, que dalle. Changement de nom. La Confédération d'Asiotrace n'aura pas changé. La poisse. Ah, d'accord. Voilà. Alors, bouclier. Membre de tribu. Guerriers sont assoiffés de sang. Cavaliers nobles. Hop. Donc là, je déploie pour bloquer le passage là. Ma cavalerie va être prête à sortir pour aller attaquer ces frondeurs. Là, j'ai les navires qui arrivent doucement. Le... À mon avis, je vais les faire arriver par là pour les attaquer par l'arrière. Oh, ils ont des bonus face à la cavalerie. Ça change beaucoup de choses. Ils en ont tous. Ah oui, ils ont tous les trois les bonnes sœurs. On use contre les unités à cheval. Dès lors qu'il va charger, on va mettre ça. Hop. Vous mettez pas le feu. Eux, je vais leur demander de tranquillement faire le tour. Ils servent pas à grand chose en l'état. Là. En théorie, c'est censé faire très mal à sa cavalerie. Eux, ils ont. Ok. Ils sont loin après, mais. Si je peux les envoyer courir. Hop. Et... Là, son général a pris cher. Ce qui m'arrange en plus, c'est que ça l'empêche un petit peu de tirer ses frondes, enfin, ses projectiles de fronde. Charge magnétique, ouais, bah la charge magnétique. T'as pas kiffé, hein, mon ami. Des unités à distance, hein. Ah, merde. Il va falloir que je fasse attention à eux. Puis quand je vais charger, il devrait revenir. Bingo. Intercepter. Là. Ah putain, ils sont pas en feu à volonté. Hop, on a intercepté leur général.
bien évidemment on met le mode garde ici. Je vais leur demander de cesser de tirer. Voilà, juste poursuivre, là je vais m'avancer. Il prend cher. On va lancer le projectile, c'est gratuit. C'est là. Faire une petite file indienne. Parce que là c'est étroit. Hop là pareil. Pour la charge. C'est pas terrible, mais c'est même pas terrible du tout. Hein. Bon, la charge là, pas bonne du tout. Allez leur prêter main forte là. Wow, on s'est pris une pluie de projectiles là. Pas gagné encore. Hein. Charge-moi tout ça. Là. Formation classique là en ligne, ça fait beaucoup plus mal je trouve. Ah bah oui, ça fait plus mal. Ah bah clairement, y a pas photo. Hein. Ça se voit. Hein. Hop, à lui maintenant. Toi tu vas poursuivre les fuyards là. À continuer à histoire qu'il ne nous pose pas de soucis avec des possibles recrutements de mercenaires. Oula, ils sont beaucoup là. 83, ah ouais, en plus c'est de la bonne unité. On va aller chercher, là on va leur apprendre à venir nous enquiquiner hein, facilement. C'est Ligo là. Hop, là on a une quarantaine là. Cinquantaine, ah ouais, 40-50, allez. On y va les gars. Chacun le sien. Hop, il vous en reste là. Alors, comme ça, on aura dépassé la barre symbolique des 600. Voilà.
je pense. En train de penser s'il y a des rebelles, ils peuvent m'attaquer. Je suis affaibli. Ça va, j'étais pas assez affaibli. Ça, je vois pas grand chose. Hein. Non, mais par contre, en vrai, là, pourquoi il va me faire chier là, les Italiens? Les Italiens sont en guerre aussi contre Carthage. Putain, faut le savoir ça. Hein. Là. C'est la cavalerie. Je vais juste aller piller. Et ça me rembourse l'achat de mes des mercenaires là, c'est bien. Voilà, c'est pas si mal. Les Italiens, terrible. Après, ça me permet de piller Rome encore et encore et encore. Mal. Sauf si Carthage le reprend. Ah bah non, ce sont les rebelles italiques. Les rebelles latins. Et je crois qu'ils réparent pas en plus. Ouais, dommage. C'est que si je quitte Néapolis, je sais pas s'il y a du monde à Brindisium, mais il pourrait venir quoi. Des esclaves, oh là là, oh là là, c'est terrible. Je sais pas si ça passe. Hein. Ça passe, mais ils sont tous. Partout, tous ces esclaves là, c'est dingue! J'ai un lâcher, ça prend du pognon. Ça m'entraîne mon général aussi. Cool, mais. Parole d'esclaves et pied, mais oui.
Hop. Là, ils sont beaucoup. Deux embarcadères. Ah non, là, là, plutôt. La Carthage s'occupe de l'Alia. Après, en théorie, il meurt de faim, là. Je vais les récupérer. Merde, l'ordre de public. J'ai totalement zappé. Oups. Oupsi. Néapolis, ça devrait passer à Réminium. Ah bah oui. Non, mais j'ai totalement oublié de jouer ici. J'y ai pensé un instant, puis ça m'a totalement sorti de l'esprit. Ils ont fait que piller, ça me va. Hein. Ça me va totalement. Les Vénètes, qu'est-ce qu'ils me veulent les Vénètes? Ouais. Ah oui, ils ont peut-être géré la rébellion, hein. Géré est un bien grand mot. Est-ce qu'il y a la portée? Oui. Super, j'ai même pas eu à recruter. Oula. Oula. Ça s'est réparé. Visitant, c'est tout. Ouais, je peux faire un deuxième. Ils ont décidé de quitter leur. Bah, hé. Même pas deux fois. Hein. Là, le Suève. Non, 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 non. Là, vous faites face en plus à des troupes expertes. Bien entraînées. Bien équipées. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il va se faire prendre. Alors j'ai pas le temps pour ça, je suis désolé mais... Porte d'Almat, bah ouais. Ça c'est bien. Au moins Istros. On aurait pu avoir trop de soucis pendant un ou deux tours, minimum. J'espère plus. Hop, changement de position. Le problème, c'est qu'avec tout ça, j'ai pas le temps d'améliorer mes. Enfin, j'ai pas l'économie à améliorer tous les bâtiments que je voudrais. Personne? Laisse-moi y aller. Voyez, père, je vous avais dit que je serais un grand homme. Non, il a même pas fait tomber à l'Alia, lui, le. Merde, comment il s'appelle le Carthaginois là? Une blague? Bah non. Il a même
Putain, allez, viens. Allez, plus d'or pour le pillage. Allez, allez, on y croit. 4000? C'est raisonnable. J'ai rien qui m'apporte du bonus de pillage. Alors. Culture. Culture. On va faire ça. On va faire ça. Deux tours avant la réédition. On va leur donner un coup de main là, sinon ça me risque de poser pas mal de problèmes. Germanique détruite. Oh bien. Là. Je peux pas plus t'aider. Sans me mettre en danger du moins. Ouais, d'accord, oui, effectivement, il va pas prendre à l'allier avec simplement une petite unité d'éléphant. Hein. Je pensais qu'il viendrait avec un peu plus. Apparemment, je me suis trompé. Bon, je commence à être inquiet par rapport à Sparte. Je me demande s'ils vont pas venir m'embêter bientôt. Dis donc, t'as pas la... si. Non, dis s'il avait l'accès, mais je crois que c'était Carthage maintenant. Ok, je vais pouvoir commencer à développer l'Italia. Il a pris cher, 3 tours, hein. Ça fait déjà 2 tours que je suis en reconstitution. Oula. On voit des troupes là, c'est pas bon. Bon après ils pourront pas faire tomber non plus Rome en un tour. Rome ne s'est pas faite en un tour. Territoire comme une Lusitanie.
Et ça va même augmenter un peu sa défense. C'est bien. Pire un coup. A l'air très défendu. Pillage ou conquête? Je me tâte. Soif de bataille. Ou les deux, hein. C'est vrai que là, je prendrais une bonne place fortifiée, quoi. Bon point fortifié. Qui est bien plus facile à défendre que Istros. Après, je vais faire de la bouffe là. Hop. Tac. Tac. Là, bah, on va récupérer. Là. Dernière ville de la province. Je ne pille, je ne rase pas parce que je l'ai déjà fait. Donc ne soyons pas gourmands. Est-ce que je peux l'améliorer? Mais avec... Non. Il n'a pas gagné de niveau, Sniff. Ou alors pas assez. Bon, maintenant que ça c'est fait, maintenant que l'Italie est sous mon contrôle, déjà à mon avis, ça me fait un... Comment ça s'appelle? Une de mes conditions de succès. Donc il faut Italia partout, ouais, voilà, j'ai une de mes conditions de succès. Tac, et... Oui, ça c'est bon. Il y a le bois là-bas. Il me faut du bois pour avoir des toutes nouvelles unités. Ah oui. Ah là, le bois là. Important, important, très important. J'ai des revenus corrects. On n'est pas trop mal. Oh, une montée de niveau. Pillard, augmentation. Et pillage de 60 pour, de 30%. J'aime bien. Ah mais cool. C'est cher. Et 4500. Ça n'est pas donné. Une belle défense là-bas. Bah là aussi, hein.
J'ai pas trop envie de m'y attaquer. Du moins, passons leur donner fin. Allez, on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu. Et je vous propose de me retrouver demain pour le prochain. Je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob.